Alors que recherchons-nous? Nécessairement quelque chose que l'on a connu antérieurement, oui ou non? Les deux choses utiles, lorsqu'on est dans cet état dont je parle, qu'on appelait l'âge d'or pour tout un chacun, parce qu'on a un âge d'or dans notre vie, généralement c'est le plus ancien, c'est l'enfance. Vous allez constater qu'il y a l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain, non pas celui-là, et ensuite l'âge de fer, c'est-à-dire tout va de travers. Ça c'est une chose. Généralement c'est l'enfance la plus belle période de l'existence. On ne pense à rien, on est tout entier dans l'action, même quand on tombe de son vélo, qu'on se casse les dents de devant, c'est tout bon. Parce qu'on oublie. Ça, c'est la marque de la chose. Comme disait intelligemment, je ne sais plus qui, ça va peut-être me dire, il dit, les pays heureux n'ont pas d'histoire. Vous avez remarqué que faire des histoires ou avoir une histoire, c'est quand même en relation très proche. Quelqu'un qui fait des histoires, il marque son terrain, il marque ses désirs, etc.